Hey, bonjour à tous, ici Big Bad Eater, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est une première pour moi. On va regarder ensemble la nouvelle cinématique Primis Ashara qui est sortie hier lors de la Gamescom et je vais également pouvoir par la même occasion essayer mon nouveau fond vert. Que voilà, attention. Hop, on met le casque et on va aller voir ce que ça donne. 3, 2, 1... Je suis reine. Et ceci est l'empire que j'ai bâti. C'est terminé. Non. Mon peuple. C'est ma faute. Non, 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 ce n'est pas le pacte que j'avais conclu. Un pacte, oui. J'aime les pactes. Qui est là? Montrez-vous. Immédiatement. Pendant 1000 ans, prisonnier de ces abysses, je t'ai observé, scruté jusqu'au fond de ton être. Toi ? Ce ne sera plus très long. Ta fin est proche. Tu ne vis que par ma volonté. Lâche prise. Accepte de me servir. Toi, tu n'es rien. Rien? Je suis un dieu. Je régnais sur cette terre avant même ton existence. C'est splendide. Soumets-toi, et nous reconstruirons mon empire. Non. Non? Comment oses-tu? Meurs! En reine! Pas en esclave. Si tu m'as observé,
pendant 1000 ans. Tu sais ce que je veux. Je t'offre les miens. Grâce à mon peuple, je lèverai une armée. Je triompherai de tes ennemis. Te bâtirai un empire. En tant que reine. Ou alors, tu peux me laisser mourir et rester ici pour l'éternité. Un dieu oublié. Elle l'a défoncé. Boum. C'est pesant. Vidéo de Primis Ashara qui est quand même assez pas mal. J'aime bien ce style graphique assez particulier. Assez stressant quand même. Cette vidéo elle est quand même assez stressante. Moi, met un peu dans le mal parce que c'est pesant. En fait, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand chose. Ça parle pas beaucoup. Mais c'est stressant. C'est stressant. Charles arrive quand même à négocier. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Mais c'est stressant quoi. Bon, après, je pense que je suis pas un spécialiste du lore, mais. J'imagine que le dieu englouti depuis 1000 ans, etc., etc., ça doit être Enzoth avec Nihal Lota, si je me trompe pas. La cité engloutie, c'est peut-être ça d'ailleurs qu'on a vu. Si je dis ça, c'est parce que j'ai la boîte à secrets de Yogg-Saron. Et donc, c'est pour ça que je connais ces petits indices-là, on va dire. Bah, une vidéo vraiment très très sympa. Moi, il me reste plus qu'à aller voir le décryptage de Yuna, parce que là, j'ai pas forcément tout compris. Son fameux collier, on le voit là, après elle l'a plus, après elle l'a encore. C'est assez pesant, enfin elle est cool, mais je préfère celle de Jaina où ça chante, où c'est cool, enfin bref, voilà, mais sinon ça reste cool, hein. C'est une vidéo qui reste quand même assez cool, je comprends que beaucoup de personnes soient fans de Ashara et soient fans de cette vidéo. Enfin voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, c'est une première pour moi une vidéo réaction de ce genre, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi il me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end, je vous fais des bisous, je vous dis à très très bientôt, salut!